Hello guys, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lisser la peau avec une technique très simple, mais dont le résultat est dingue. Fini les heures où tu passes tout ton temps à retoucher une photo alors que tu en as plusieurs à rendre pour tes clients. Fini toutes ces heures de frustration car tu as des clients qui ne sont toujours pas satisfaits de ton travail malgré toutes les heures que tu as passées dessus. Grâce à cette technique, tu auras des photos de qualité retouchées avec très peu d'efforts et qui vont plaire à tes clients. Tu pourras ensuite consacrer le reste de ton temps à développer d'autres projets. Et surtout, reste jusqu'à la fin car je te réserve un bonus qui va te permettre de retoucher ton image avec cette technique en moins de 30 secondes. Oui, tu as bien entendu, 30 secondes. Alors, si c'est la première fois qu'on se rencontre, je m'appelle Hakim, formateur en audiovisuel. Tu es sur la chaîne Fouz Media où on parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Nous avons une école 100% en ligne où on aide les personnes comme toi à réellement vivre de leur passion. Pour plus d'informations, l'école Fouz Media est dans la description où on te donne une heure gratuite de cours pour améliorer tes compétences. Alors, pour lisser la peau, suis-moi sur mon ordinateur, je te montre tout ça. Alors, nous allons utiliser la photo de Hawa pour pouvoir faire la retouche. Déjà, pour commencer, nous allons utiliser trois notions, à savoir l'inversion, le filtre passe-haut et le flou gaussien. Nous allons voir chaque étape dans les détails, d'accord? Déjà, il faut dupliquer, voilà le calque. Donc, pour dupliquer, tu vas faire CTRL plus J ou commande plus J. Voilà, là, tu as dupliqué le calque. Ensuite, très important, c'est de passer au calque dynamique. C'est-à-dire qu'on va convertir le calque en objet dynamique. Alors, pourquoi convertir le calque en objet dynamique? C'est parce que lorsque nous allons appliquer différents filtres, d'accord, sur ce calque-là, il est important pour nous de revenir en arrière, de régler les valeurs, de pouvoir les ajuster. Donc, si jamais tu ne crées pas un calque dynamique, tu ne pourras pas modifier les valeurs après avoir affecté un filtre. Donc, c'est très important quand tu sais, quand tu n'es pas sûr des valeurs que tu vas mettre, de vraiment convertir ton calque en objet dynamique. Parce que ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons appliquer plusieurs filtres et nous allons jouer un peu avec les valeurs parce que la photo que j'utilise ne sera pas forcément la photo que toi tu vas utiliser pour appliquer cette retouche là. Et dépendamment des différentes images, les valeurs ne sont pas les mêmes. Mais le plus important, c'est que tu comprennes le principe, d'accord? Donc ce que nous allons faire, nous allons, voilà justement, cliquer droit ici et tu vas faire ici convertir en objet dynamique. Une fois que tu l'as fait, tu vas avoir un tout petit signe en bas à droite là de la miniature qui te montre que voilà, ton objet est dynamique maintenant. Maintenant, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons appliquer l'inversion. L'inversion, c'est CTRL I ou commande I. Donc voilà, je viens d'appliquer l'inversion et tu vas voir juste en bas ici, tu vois, nous avons ici inversion. À chaque fois que nous allons ajouter un filtre, il va s'afficher les différents filtres que voilà, nous allons essayer de mettre sur le calque. Une fois que nous avons fait l'inversion, d'accord, c'est un peu bizarre, je sais, mais ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Nous allons maintenant ajouter le filtre passe-haut. Donc, tu vas dans filtre, divers, tu choisis passe-haut. Alors, le filtre passe-haut ici, il va te permettre de choisir une valeur. Alors, quelle valeur tu vas choisir? Dépendamment de la photo, les valeurs seront différentes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais tu vas essayer de voir jusqu'à quel moment, ok, l'image s'affiche un peu plus. À 0, tu vois, on ne voit rien. Si on va à 800, c'est un peu trop, d'accord. Donc, on va aller environ à, on va dire, 20. Par contre, on va essayer 20. Voilà. Là, déjà, on voit bien l'image. On fait OK. Après, ces valeurs-là peuvent être modifiées. Voilà pourquoi c'est important d'être en filtre dynamique. D'accord? Maintenant, je vais changer le mode de fusion du calque. Je vais passer de normal, OK, à lumière linéaire. Là, on retrouve un peu notre image, mais il est flouté. Ne t'inquiète toujours pas.
nous allons continuer. Ensuite, nous allons ajouter du flou gaussien. Donc, je vais encore dans filtre, je choisis flou et je prends flou gaussien. Là encore, on va choisir un flou, d'accord, de telle sorte que l'image soit un peu floue, mais qu'on arrive quand même à voir les éléments importants d'un visage, c'est-à-dire les yeux, le nez et la bouche, d'accord. Quand tu es à zéro, c'est très flou. Quand tu es voilà, complètement à droite, c'est assez clair. Donc, on va essayer de trouver une valeur où ce serait un peu flou, mais on arrive quand même à voir les yeux. Donc, moi, je me dis par exemple 13.9, c'est déjà une valeur voilà, qui me plaît bien. Je fais OK. Là, maintenant, voilà, tu as déjà quelque chose qui est bien sûr assez flou, d'accord? Mais ce sont des valeurs que tu peux changer. Par exemple, je trouve que c'est quand même assez flou. Donc, je reviens dans flou gaussien. Je clique. J'étais à 13. Donc, je peux me permettre maintenant d'augmenter. D'accord? Et d'être à, on va dire, 16. OK. Là, c'est toujours flou, mais c'est moins flou que la valeur précédente. Et on perd aussi les halos parce que quand on était à la valeur précédente, on avait un certain halo. Maintenant, on n'a plus ce halo-là, c'est-à-dire le truc qui est sur les bords. Okay. Alors, maintenant, ce qui est bien dans cette technique, c'est que tu vas pouvoir appliquer cet effet-là à des endroits spécifiques. Parce que bien évidemment, on ne va pas avoir toute l'image floue non plus. Donc, c'est là va intervenir un masque de fusion. D'accord, donc tu vas cliquer ici et choisir masque de fusion. Donc tu cliques, voilà, tu as un masque de fusion. Alors, le masque de fusion, c'est quoi son utilité? Son utilité, c'est ça va te permettre d'afficher des éléments du calque. Lorsque le masque de fusion est blanc, comme actuellement, l'effet est affiché totalement. Mais s'il est noir, c'est qu'il va masquer l'effet. Donc, pour masquer l'effet, on va cliquer sur le masque de fusion, très important, on ne doit pas cliquer sur le calque, mais sur le masque de fusion, on fait CTRL-I et tu vois clairement qu'il passe à noir. Donc là, nous avons la photo initiale parce que nous avons couvert tout l'effet que nous venons d'apporter sur le calque. Maintenant, nous allons faire apparaître justement l'effet à des endroits du visage. Pour ça, nous allons utiliser l'outil pinceau. L'outil pinceau, tu vas cliquer ici. C'est l'outil pinceau. Voilà. Tu vas cliquer droit sur ta souris et t'assurer d'être à une dureté de 0%. Avoir une dureté de 0% va te permettre d'avoir un traitement assez doux et pas marqué. Okay? Le 0%, ça veut dire que aux extrémités du cercle, d'accord, de l'outil, les modifications seront un peu floutées. Ça permet en fait d'appliquer des modifications sans que ça ne soit visible sur l'image. Donc, rassure-toi d'être à 0%, d'accord? Ensuite, nous allons être à une opacité de 100%, mais cependant, nous allons choisir un flux un peu faible, donc un flux de, on peut dire, 10%. Pourquoi 10%? Parce que on veut appliquer l'effet de façon progressive, d'accord? Donc, être à 10% va nous permettre d'aller vraiment de façon graduelle pour ne pas appliquer l'effet à 100%, mais à chaque 10% de sa capacité totale. D'accord? Donc, maintenant que c'est bien, ici, il faut être dans la configuration blanc-noir. Blanc, c'est pour faire apparaître. Noir, c'est pour faire disparaître. OK? Et ça, c'est en relation avec le max de fusion. Vous voyez que le max de fusion, il est tout noir ici. Donc, nous allons utiliser le blanc, par exemple, pour faire apparaître des éléments ou le noir justement pour faire disparaître. Donc si tu n'as pas cette configuration noir blanc, d'accord, appuie sur la touche D de ton clavier. D va réinitialiser cela et tu pourras intervertir avec la touche X de ton clavier, tout simplement comme ça. Donc là, nous avons masqué tout l'élément avec le max de fusion, avec la couleur noire. Et nous allons essayer de faire apparaître avec la couleur blanche qu'on va sélectionner ici. Donc ici, on est sur blanc, c'est-à-dire le blanc est en premier plan. Parce que si on fait X, tu vois, le noir est en premier plan. C'est pas ça qu'on veut. On veut le blanc en premier plan. Donc on va passer à blanc comme ceci. Très bien.
Et là, on va se mettre à peindre légèrement avec notre souris, d'accord, sur les parties où on aimerait faire appliquer le flou. Une chose très importante lorsque tu passes justement le pinceau, d'accord, il ne faut pas toucher des éléments très importants du visage qui ne doivent pas être floutés, c'est-à-dire les yeux, les sourcils, le nez et la bouche. Ok, le reste, tu peux vraiment, voilà, essayer de passer. Donc là, j'essaie vraiment de passer, ok, l'effet aux endroits voulus, donc un peu sur la joue ici. Donc j'essaie de passer plusieurs fois parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le flux est à 10%. Donc ça me permet vraiment d'aller de façon très progressive. Voilà. Je vais faire un avant-après, tu vas voir. Ça c'est avant-après. Avant-après, avant-après. Tout simplement. Voilà. On va essayer de... Ok. Donc ça c'est avant, après la retouche. La peau est uniforme et on n'a pas perdu la texture. Maintenant si tu veux vraiment rendre ça encore un peu plus flou, d'accord, tu peux revenir sur le flou gaussien. Tu cliques deux fois, voilà pourquoi c'était important d'avoir notre objet dynamique. Et là tu vas juste essayer progressivement de diminuer le rayon. Donc tu vois, plus tu vas diminuer le rayon, tu vois, plus ça va être flou. Moi, je préfère ne pas avoir vraiment quelque chose de très flou. Juste 5.8, ça va être bon. Et là, ce qui est bien dans ça, c'est que tu peux régler le tout avec l'opacité. Là, si tu trouves que voilà, le flou est un peu fort, tu peux voilà, réduire l'opacité comme ceci pour récupérer un peu de la texture. D'accord? Donc, nous, on va rester... on va dire 70%. On va faire un avant-après. 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 Avant-après tout simplement. Donc voilà vraiment comment on a réussi à retoucher la peau avec une technique vraiment très simple et rapide. Maintenant, je vais te montrer pour le bonus comment réussir cette retouche en moins de 30 secondes. Et je suis vraiment sérieux. Tu vas vraiment le faire en moins de 30 secondes. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle les actions. Ok, donc, étant donné que ici c'est une action répétitive, d'accord, alors je vais supprimer tout ça. C'est que nous allons utiliser ce qu'on appelle les actions. Les actions nous permettent justement d'enregistrer une série, d'accord, une série d'actions qu'on n'aura plus besoin de répéter tout le temps. C'est comme si on enregistre cette action et une autre fois on peut l'appeler directement au lieu de refaire chaque fois la même chose. D'accord. Alors, comment créer une action? Tu vas aller dans fenêtre. Tu vas choisir ici action. Tu vas avoir une fenêtre qui va s'afficher. Dépendamment de voilà, ton Photoshop, la version de ton Photoshop, il se peut que voilà, tu n'aies pas toutes les actions que j'ai. C'est tout à fait normal. D'accord. Moi, j'en ai créé. D'accord. J'ai aussi une action que nous avons créée pour l'école Fuz Media. Et là, il y aura les trois petits points ici. Tu vas cliquer. Voilà. Et tu vas faire nouvelle action. Dans nouvelle action, tu vas choisir le nom de ton action. Donc, on va appeler ça retouche rapide. Il demande dans quel ensemble tu veux le mettre. Donc, tu vois, moi, j'ai trois ensembles. J'ai action par défaut, retouche beauty qui est pour notre école. Retouche beauty aussi qui est pour notre école. Mais je vais le mettre dans action par défaut. Donc, je vais choisir action par défaut. D'accord? Ça, je laisse à 100, couleur 100, je fais enregistrer. Au moment où j'ai fait enregistrer, tout ce que tu vas faire maintenant va être enregistré. Donc, fais très attention. Donc, on va reprendre le processus que nous avons eu à faire tout à l'heure pour retoucher la peau. Okay. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Une très petite astuce que je vais te donner, c'est lorsque tu enregistres les actions, l'erreur que les gens font souvent, c'est lorsque ils veulent dupliquer, ils font CTRL-J. Donc dans l'action, c'est-à-dire lorsque vous allez rappeler l'action, la première touche qu'il fera, c'est CTRL-J. Mais si dans une certaine retouche, vous aviez déjà fait beaucoup, c'est-à-dire vous avez empilé les calques, d'accord,
CTRL-J ne marchera pas parce qu'il va juste copier le dernier calque. Et le dernier calque n'est pas le calque qui englobe que tous les calques. Donc, j'ai une petite astuce que je vais te montrer. Au lieu de faire CTRL-J, tu vas créer un calque vierge comme ceci. Il n'y a rien dedans, d'accord? Et tu vas faire CTRL-SHIFT-ALT et E. Ok? Donc, nous venons d'avoir le même résultat comme si nous avions fait CTRL-J, c'est-à-dire qu'il a dupliqué. Mais cette action est très importante parce que si jamais tu as, voilà, empilé plusieurs calques, ok, c'est très important justement de créer un calque qui résulte de toutes les modifications que tu as fait, d'accord? Et en faisant CTRL-J, ça ne va pas faire justement cette action-là. Ça va juste dupliquer le dernier calque, d'accord? Ok, maintenant que j'ai fait CTRL-ALT-SHIFT et E, d'accord? Je clique droit, je fais convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais inverser le calque. Je vais ajouter filtre divers passe-haut. Le filtre passe-haut, je reste à 6.4. De toute façon, je peux modifier quand je veux. Je fais OK. Ensuite, je fais filtre flou, flou gaussien. Je fais OK. Et je passe de normal à lumière linéaire. Ensuite, je vais créer mon max de fusion en cliquant ici. Quand j'ai le max de fusion, je fais CTRL ou commande I pour qu'il soit noir. Et voilà. L'action est terminée. Je fais stop ici. Donc là, toutes les actions que j'ai eu à faire ont été enregistrées par l'action. Donc ce que nous allons faire maintenant, je vais supprimer. Et je vais vous montrer dans action, lorsqu'on clique fenêtre action et on regarde justement dans action par défaut, parce que c'est dans ce dossier là que nous avons créé notre action. Donc lorsqu'on le déballe, on trouve ici retouche rapide. Et à partir de maintenant, vous allez voir que la retouche va se faire en 30 secondes top chrono. Donc j'ai mon retouche rapide ici, j'ai uploadé mon image, donc je vais commencer ma retouche. Donc je regarde mon action, je clique sur retouche rapide, je fais play ici. Et voilà, donc le système va enregistrer tout ce qu'il avait fait, d'accord? Et voilà, tout simplement, c'est déjà fait. Il suffit maintenant de prendre mon pinceau et de juste peindre les parties que j'ai envie de lisser, comme ceci. Et voilà, on fait un avant-après, avant-après, avant-après. On peut encore continuer. Si on veut lisser un peu, voilà. Surtout ne pas toucher, voilà, les yeux, le nez et la bouche. Et voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, avec l'action, nous avons vraiment pu retoucher en appelant juste une fonction qui va nous permettre de déballer tout le processus. Et avec le max de fusion, tu pourras tout simplement appliquer la retouche sur la peau à les zones les plus... les zones permises. Ok, donc voilà. Donc voilà vraiment une technique très simple qui va te permettre de lisser la peau très rapidement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera un plaisir de te répondre. Si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et n'oublie pas aussi de voir tout ce qui se passe sur l'école Fouz Media si tu veux améliorer tes compétences et vraiment faire de la photographie ton métier. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!